Bonjour à tous les amis, c'est Jean-Fabien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On va jouer aujourd'hui à un jeu de chevalier et d'épée, c'est Knighthood. Le jeu est tout en 3D, il est trop beau, et c'est King qui a fait ce jeu. Donc c'est le grand éditeur de jeux sur mobile, King. Et donc le jeu est totalement gratuit, et franchement c'est un RPG, mais il est génial. En fait, je pensais que ce serait trop un jeu casual et tout, ce serait pas forcément intéressant. Mais non, en fait, il est carrément bien réussi. Et dans les commentaires, il est super bien noté. Tout le monde dit il est vachement bien. Et du coup, bah, c'est trop du régal. Alors, dans ce jeu, donc, au tour par tour, bah, on voit des petites attaques sur chacun des ennemis. On va aussi upgrader notre chevalier, notre armure, nos attaques. Regardez le point que j'ai, le point géant, un petit peu comme les Avengers. Comme le point de Hulk. C'est tout simplement un point que j'ai collecté à force de me battre, et on va comme ça au fur et à mesure améliorer son équipement. Regardez par exemple ma cape qui est toute trouée, ma cape elle a traîné dans la cave, et du coup bah à force on va faire les combats, on va monter en niveau, et on va aussi gagner pas mal de pièces pour pouvoir s'acheter de nouveaux objets. Alors je vous rassure, le jeu n'est pas du tout pay to win, c'est vraiment je pense que c'est vraiment un jeu respectueux du gamer, en fait. On est vraiment dans le jeu de chevalier, tu vois, donc avec les combats classiques. Avec une belle touche d'arcade, 3D, RPG, tour par tour, enfin, c'est vraiment... pour moi, c'est un très très bon jeu. Comme je l'ai dit, au niveau des commentaires, bah, tout le monde dit qu'il est super bien. Voilà, on se fait trop attaquer, là. On se fait trop attaquer. Et là, il y a As qui va envoyer une petite flèche, un petit tir historique. Alors donc, le jeu se joue en portrait, comme vous pouvez le voir. Ce qui est pas plus mal. Je trouve ça assez sympa. Ça se joue bien. Et du coup, on va peut-être gagner un nouveau pouvoir juste après. Ce que je vais vérifier. On peut faire des combos. Hein. C'est-à-dire que à chaque coup, je vais montrer dans cette tour de l'ennemi. Regardez, en haut à droite, j'ai 4 pastilles rouge-orange. Donc je peux donc faire 4 coups dans mon tour. Et si je l'ai fait à la suite... Ah, il a déjà attaqué. Ouais, donc là, je l'ai fait à la suite de... Il est déjà KO. Il me reste 2 coups. Donc c'est un deuxième ennemi. Je peux attaquer le deuxième ennemi. En tout cas, on n'a fait qu'une bouchée de ce petit gobelin qui se promenait. On a monté en niveau 2. C'est beau, ça, les amis. Et maintenant, que vais-je faire? Est-ce qu'on peut aller dans la boutique un petit peu là pour changer ma cape? J'ai un peu la cape de la honte, elle est toute pleine de termites qui ont mangé ma cape. Du coup, il reste plus grand-chose, c'est plutôt un bout de torchon. Et voilà, on continue d'avancer sur la map. Mais quel régal, les amis. On va voir notre petit chevalier, comment il se porte. Et regardez, là, tout est bien, tout est parfait. La cape, allons voir la cape. Bah non, je n'ai pas d'autre sous la main, j'ai que la cape usée. Voilà. Donc n'hésitez pas à télécharger ce jeu de chevalier. C'est une réussite. Je l'adore. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu.